entre l'humain et nous, c'est une longue histoire. Depuis toujours, nous les tolérons sur notre territoire. Et petit à petit, nous les avons laissés être de plus en plus familiers avec nous. Au début, nous devions attraper des souris pour eux. Mais maintenant, c'est plutôt eux qui nous nourrissent. Ils ne savent même pas apprécier les cadeaux que nous leur faisons. Les humains sont très faciles à manipuler. Il suffit de ronronner un peu, de se frotter à leurs jambes et nous faisons d'eux ce que nous voulons. Par exemple, l'humain fait un très bon portier. Il suffit juste de miauler assez fort. Ils sont même capables de s'occuper de nos toilettes. C'est très pratique. Cela nous évite de faire nos besoins dans un endroit trop sale. Les humains ont eu la bonne idée d'installer des griffoirs tout autour de nous. En termes d'hygiène, l'humain n'est pas très formidable. Il ne sait pas se lécher et doit se mettre sous l'eau pour se laver. Bonjour à l'empreinte carbone. Il est particulièrement maladroit et n'a aucune souplesse. Il ne sait pas attraper les souris et ne sait même pas grimper aux arbres. Mais il est parfois utile pour nous faire redescendre. Depuis quelque temps, l'humain s'évade dans le monde numérique. Mais nous n'avons aucune inquiétude quant à notre domination, car nous avons complètement infiltré l'Internet et les réseaux sociaux.